Essaye de sentir le rythme, vraiment énergie comme ça. Il est bon le rythme sur le, enfin, métronomiquement il est bon, mais il a pas de cette énergie. Imaginez, il y a vraiment quelqu'un qui donne le rythme comme donne le rythme dans n'importe quelle danse d'aujourd'hui, enfin. Il faut projeter un petit peu le son, même piano, mais il faut que ce soit
Complètement, qui on attend quand même. Pam, pa pam, 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 pa pam, pam, pam. Qui a cette énergie. Oui, mieux. Continue. Il faut continuer à travailler, mais c'est dans cette direction. Et je pense que toute la pièce, il faut qu'il y ait ce rythme-là, c'est un rythme obsédant. Et ce rythme-là, c'est vraiment la base. C'est la base de cette énergie, de cette pièce qui est autrement, elle devient différents morceaux qui ne sont pas unifiés. C'est ce rythme-là qui doit unifier. Et après, par rapport à ce rythme et par rapport à gradation sonore, les autres éléments doivent apparaître. Donc, ils doivent apparaître de façon, façon verticale. Pas, il y a un rythme, après il y a un autre épisode, après il y a un autre rythme. C'est doit être vraiment quelque chose de vertical. Et ça, je vais aller à la première page, maintenant tout. Excusez-moi, vous arrêtez, mais déjà, ces quatre octaves, c'est quatre couleurs différentes. Ce n'est pas juste quatre octaves, c'est... Il faut voir un petit peu spécial, c'est une spécialisation. Donc c'est ici, plus loin, plus loin, plus loin, c'est... Oui. Oui. Donc la dernière chose que je vous demande, est-ce que vous pouvez... Après, c'est mon embêtant, mais est-ce que vous pouvez, dans le même abanera, jouer exactement dans la même force, pas changer. Changer juste. Comme si c'était deux pianos différents, comme si c'était une transcription pour deux pianos. Oui, continue. Juste un peu de temps, excusez-moi. Tout était bien, et quand le rythme de habanera disparaît pendant deux mesures, il faut continuer à le sentir, parce qu'après, quand vous arrivez à rythme initial, il n'est pas le même. Continuez à sentir. Même s'il n'est pas joué, il est tacitement, il continue à être. Comme ça, après, vous reprenez exactement le même rythme. Recommencer de cet endroit-là. Oui.
énergie. Continue. On attend toujours. Tam, papam. Non, ça c'est déjà mieux. Donc il faut que vous travaillez aujourd'hui à demain, faites en sorte que dans cette pièce, dans tout au long de la pièce, vous attendez le même rythme. Ça déjà changera beaucoup de choses. Et dans la dernière partie, il y a vraiment des sortes de prémonitions des pièces suivantes, le jardin sur la pluie. C'est pas joué en façon, enfin, il faut un peu travailler pour que ce soit vraiment. Exactement égal comme la pièce suivante. C'est ça. Il y a deux, trois autres épisodes qui on peut montrer bien plus que ce sont des événements différents qui apparaissent. Par exemple, à peu près une page et demie avant la fin, il y a tout un épisode où c'est vraiment, c'est pas la continuation, c'est quelque chose, c'est une autre image qui apparaît. Donc voilà, vous trouverez, on est limité dans le temps, donc sinon je restais encore dire plein de choses, mais déjà ça, si d'ici demain vous arriverez, que ce soit, même quand il n'y a pas de rythme, pas noté, vous, intérieurement, vous devez tam, pam, 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 pendant toute la soirée de Grenoble. C'est un peu le secret. Et le reste doit être par rapport à cette sorte de rythme obsédant, comme ça, qui unit toute la pièce. Voilà, merci beaucoup.